Coucou les filles, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. J'ai été à Action, le Action, il a ouvert à Chantilly, près de Rennes, c'était jeudi. Voilà. Et j'étais aussi à Nozze. Et je vous montre tout de suite mes achats. J'ai acheté déjà le sac, je le trouve trop mignon le sac de chez Action. Il est grand, il est vraiment grand et il est vraiment trop joli avec des petits renards, des petits écureuils, des petites lances. Il est sur le thème de l'automne. Je sais pas s'ils vont en faire un aussi sur le thème de l'hiver, mais je pense que le chez il est aussi mignon. Alors, chez Action, j'ai acheté déjà une boîte à musique qui chante Happy New Year. Donc voilà, elle est trop mignonne. Elle a plein de paillettes. Et comment dire, elle m'a coûté, je crois, 3 euros et quelques. Elle était à moins de 4 euros. Je suis désolée, je trouve plus mon ticket de caisse, alors que je viens de faire mes achats. Mais voilà. J'ai acheté une petite trousse transparente en plastique avec Mickey et Pluto. Il y avait Princesse Sophia, il y avait Mimi. Et je sais plus, mais j'aime bien Mickey. Et puis voilà, il y a le petit chien et c'est neutre et c'est trop mignon. Ça, je l'ai payé moins d'un euro, je crois qu'elle était à 79 centimes. J'ai acheté un set de table, You Make My Day. Donc en soi, je le trouve pas forcément très magnifique, etc. Mais c'est pour ma fille qui salit vraiment la table à chaque fois qu'elle mange. Je mets pas forcément de nappe. Et donc voilà, j'ai envie de prendre un petit truc, de pouvoir le secouer dehors si c'est des miettes et de pouvoir le mettre à laver si c'est des taches. Voilà, j'ai testé ça en plastique et je sais pas, j'accroche pas trop avec ça en plastique. Alors à voir si j'accroche avec ça. Et j'ai acheté deux jolies choses. J'ai acheté ceci. Ça, j'ai payé ça moins d'un euro. Et je ne voudrais pas dire de plus, je n'ai pas payé ça 70 centimes, quelque chose comme ça. C'est pour décorer son arbre de Noël. Donc je pense que l'arbre, vous savez, il n'est pas que comme ça. Il doit y avoir. Il doit se mettre, vous savez, en quatre. Là, il va y avoir une autre partie ici. Et voilà, avec plein de petites boules, des guirlandes, des petits bonhommes, des petites cannes à sucre, etc. Donc je trouve ça super mignon, ça va l'occuper un petit peu. Et j'ai acheté autre chose pour l'occuper, c'est de la mosaïque. Voilà. Donc ça, je sais plus combien j'ai payé ça, mais ça doit être moins de 3 euros. Voilà. Et il y avait plusieurs choses, il y avait des gommettes aussi, etc. Mais j'ai choisi la mosaïque. Je trouve ça pas mal. Et donc ça c'est fini pour Action. Donc, du coup j'ai été au Céanose. Lilou, j'ai pris une lotion anti-poux et lente. J'ai payé ça 3,20 € alors que dans la pharmacie ça coûte au moins, je dirais, bien 8 €. Donc j'ai pris ça au cas où. Voilà. Comme ça, au moins j'aurai ça dans mon stock si jamais ça arrive et que je remarque pas un dimanche. J'ai pris du ruban comme ça à 60 centimes, celui-ci, pour faire mes petits cadeaux, je pense. J'ai pris un autre ruban Hello Kitty qui lui était à 99 centimes. J'ai pris une guirlande de 3 mètres. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner cette guirlande, mais voilà, elle est toute mignonne. Je sais pas encore le thème d'anniversaire de ma fille, mais ce sera Disney, je pense. Ça, j'ai pris ça pour un paquet cadeau, quoi. Ça c'était 50 centimes. J'ai pris ça
c'est des coloriages de Noël. Voilà. Voilà. Ça, à la base, il coûtait 3,95 € et j'ai eu à moins 60%. J'ai pris des petits trucs comme ça. Alors ça, par contre, je vais trouver ça cher parce que c'était 75 centimes. J'en ai pris 3, mais c'est trop mignon. Voilà. Donc là, j'ai Winnie, son copain Tigrou et des petits bonhommes à l'épice. J'ai Winnie des sucres d'or. Et j'en ai un autre, juste Tigrou. Je sais pas où il est. Je ne trouve pas pour l'instant. On va voir tout à l'heure. Ouais, et là, petit goût avec un cadet. Paf. Ensuite, comprimé dans Noël. J'ai pris ça. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ça a coûté 1,20 €. Et c'est 4 planches de forme prédécoupée et 2 feuilles de papier. Bon, je ne sais pas à quoi ça va servir. J'ai pris ça. Il m'a coûté 50 centimes. Il y a un bonhomme de neige. Mignon. J'ai pris ça. Celui-ci, il était à 2 € moins 60 centimes. Voilà, donc ça fait quelques. Ça fait 20-30 centimes, je pense. Et j'ai pris ça. Donc pareil, celui-ci, ouais, j'ai dû payer moins de 50 centimes. Comme petite étoile. J'ai pris un tout petit livre, Léo et Poppy. Ça, c'était 1 €. Donc chez le docteur. Léo et Poppy, chez le docteur. J'ai pris ce truc-là. Pareil, c'est pour me servir comme assiette pour un ami. Et il m'a coûté 2 €. Alors là, je l'ai trouvé très mignon. Voilà, toujours comme sous-table, j'ai pris ça. C'est du noir et du ça. Ça, il m'a coûté 2 € aussi. J'en ai deux dedans. Et pour mon, c'est bon. J'ai pris un bloc-notes à spirale comme ça. Calendrier, quoi. Un calendrier une spirale. Pour mettre sur un bureau. Et j'ai payé 2 €. Là, j'ai un crayon dedans. Et j'ai pris un calendrier 2016. Un family calendar. Je le trouvais trop beau avec ça. Il est vraiment très mignon. C'est pour mettre sur mon frigo. Et ça, je vais payer 2 €. Le truc, il est comme ça. Ah bah. Et la dernière chose que j'ai achetée, avant-dernière chose, c'est Apple Pie Hug. Ça m'a coûté 3 € et quelques, je crois. Ça, j'ai hâte de tester. Et une bouteille. Alors, je fais des gros bisous parce que j'entends ma fille qui arrive. Et voilà.